Coucou les filles, je vais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer comment créer votre lien pour faire une réunion virtuelle ou une partie mascara. Donc là, vous voyez ici, ça c'est le lien que je vous ai envoyé. Donc vous allez tomber sur cette page. C'est bien noté ici, vous êtes chez Isabelle Tillier. Ça vous propose ici, connectez-vous à votre compte. Donc vous défilez, soit vous vous connectez via Facebook, ce qui est le plus simple pour tout le monde, ou pour celles qui n'ont pas de profil, vous pouvez tout simplement, ici, vous avez la case, vous n'avez pas de compte sur les réseaux sociaux. Connectez-vous avec votre mot de passe unique. Donc, moi, je vais cliquer dessus ou créer un compte juste en dessous. Hein. Vous voyez, vous avez créé un compte, donc vous allez là-dessus. Il va vous demander votre courriel et de saisir un mot de passe pour pouvoir avoir un compte client sur le site unique. Donc moi j'en ai déjà créé un au préalable que je vais retaper ici même. Je le fais d'une main, ça met un peu plus de temps. Donc, Isabelle Tillier, LB en bas, gmail.com. Je vais mettre mon mot de passe. Faut pas que j'aille trop vite, sinon je vais taper n'importe quoi. Voilà. Donc, je clique sur connexion. Et voilà. Vous tombez là-dessus. Donc, en fait, vous êtes toujours bien sur mon profil. Là, ça marque le nom du compte que j'ai créé, donc en l'occurrence le vôtre. Vous avez ici donc le suivi de votre compte, vos réceptions, soyez unique, si pour celles qui veulent devenir un jour conseillère unique. Voilà, vous avez cette catégorie ici. Vous avez l'explication de la garantie Love It, donc de chez Unique. La garantie que vous allez aimer les produits. Voilà. Et donc là, vous avez aussi Défense Innocence. Petite explication sur la fondation que Unique a créée. Donc sur cette page, vous allez à ici mes réceptions. Et vous faites planifier ou même aller à mes réceptions, hein, tout simplement. On va cliquer dessus par exemple. Donc là, vous voyez, on est à zéro. Il n'y a rien de planifié. Vous faites planifier une nouvelle réunion, vous cliquez dessus. Ça vous marque que la fête commence. C'est bien donc fait par vous ici, organiser cette réception par moi-même. Le but de faire ça, c'est de pouvoir avoir un montant high cash pour vous à partir d'un montant dépensé sur votre réunion. C'est un peu le principe d'une réunion traditionnelle qu'on peut trouver. En somme, plus les filles de votre entourage, les amis ou famille vont dépenser sur cette réunion, plus votre montant high cash va être grand et vous pourrez le dépenser sur le site unique. Donc, en somme, vous allez avoir des produits gratuits. Donc ici, vous propose des thèmes. Vous avez thème cils, lèvres, rouge à lèvres, produits pour les yeux, produits pour le visage, eyeliner ou par défaut. Donc là, il choisit pour vous en fait le thème. Moi, en l'occurrence, pour cette semaine, les filles, comme je vous l'ai expliqué, on est sur le mascara épique. Donc, je vais sélectionner les cils. Donc, vous voyez, il me l'a validé ici. Il y a le petit V là au coin. Il m'explique que j'ai 10 jours pour que les gens puissent commander sur la réunion. Passé ce délai, la réunion sera clôturée automatiquement. Vous n'avez pas besoin d'y aller, ça se fait tout seul. Ça met bien mon nom ici. Surtout, c'est important, les filles, vous qui faites partie de mes affiliés de la semaine, c'est important qu'on puisse retrouver mon nom et pas le nom d'une autre présentatrice. Sinon, le challenge sera vraiment perdu pour le coup. Donc, une fois que toutes ces informations sont bonnes, on vient cliquer ici, enregistrer ma réception. Veuillez patienter. Et voilà, votre réunion est faite. Donc, c'est mis le nom que j'ai mis. Voilà. Et donc, ici, commencez votre shopping. Donc, ça, c'est pour les personnes
qui vont arriver après sur votre page. Elles vont arriver sur cette page et donc elles choisissent la catégorie qu'elles veulent ou tout simplement venir cliquer ici, voir tous les produits. Ici, vous allez retrouver un petit tableau. Alors, ce petit tableau, ça va être le nombre de réceptions. Quand on va vous commander des produits sur votre réunion, vous allez avoir un montant de points qui va s'afficher ici. En rapport aux points de réception, vous allez avoir un montant iCash. Vous pouvez recevoir des iCash à partir de 200 points. C'est pour ça, les filles, que vraiment sur ce challenge, c'est pour ça que je vous fais déjà des cadeaux de base, pour que vous puissiez quand même avoir un minimum de récompense, même si vous ne vendez pas. Voilà pourquoi je vous fais des petits cadeaux, moi personnellement, pour que vous soyez voilà, contente de participer à cette semaine à laquelle on va s'amuser tous les jours avec les posts qu'on va faire. Donc voilà, c'est une façon à moi de vous remercier de participer à ce projet. Voilà, même si vous n'atteignez pas 200 points, je vous aurai des petites choses de ma part. Mais le but quand même, c'est de dépasser 200 points pour vous ayez en plus, encore plus de cadeaux, hein. Donc voilà. Donc là, ça vous met en fait le nombre de points ici. Alors, quand vous allez plus bas, c'est marqué aidez-moi à atteindre mon objectif. Donc là, on parle bien de vous, les filles. En parlant de ma réception autour de vous. Donc, vous cliquez sur le petit ici icône Facebook. Vous cliquez dessus. Une page va s'ouvrir. Faut laisser le réseau se mettre. Voilà. Et donc là, vous voyez, je tombe directement sur mon profil. Donc, faites bien attention, les filles. La manipulation que je fais là, c'est via directement le PC. C'est pas avec le téléphone, donc peut-être que les boutons peuvent changer ou varier un petit peu, tel que ici au niveau de la barre, ici là, hein, au coin de votre fenêtre. Donc si je clique dessus, vous pouvez faire partager dans un message privé. Je clique dessus et après je tape le nom de la personne avec lequel je veux partager le lien. Donc en fait, ça vous permet de l'envoyer en message privé et non de le publier sur votre mur si vous voulez que ça reste à titre personnalisé envers des personnes qui sont vraiment intéressées pour commander et non pas affichées sur votre mur. Donc ça, c'est vraiment à vous de voir ce qui est le mieux pour vous. Vous pouvez très bien faire les deux, l'un ou l'autre. Donc là, par exemple, je vais taper un nom. De ma maman pour vous montrer, pour pas faire d'impair. Je clique son nom. Son nom donc apparaît bien ici. Hein, vous voyez, ah, je me remets dessus. Je peux retaper un nom. Tout simplement. Une fois qu'on a tapé les noms des personnes qu'on veut envoyer le lien pour pouvoir acheter sur votre lien et augmenter vos iCash, vous tapez les noms, vous défilez. Vous avez en bas ici, envoyer le message. Je fais envoyer le message. Je clique dessus et c'est fait. Voilà. Je vous montre une autre façon de faire. Vous recliquez sur le petit icône Facebook et là, ça apparaît directement sur votre fil d'actualité. Vous voyez, quand vous cliquez ici, vous avez partout où vous pouvez afficher cette petite information. Donc sur votre fil, c'est-à-dire sur votre mur. Sur le mur d'une amie, et là vous mettrez son nom, sur un groupe ou un message privé. Voilà. Si vous laissez sur votre fil d'actualité, vous laissez comme ça, vous faites publier sur Facebook et le lien que vous voyez ici sera mis sur votre profil tout simplement. Je vais faire demi-tour. Donc ça, c'était pour la deuxième façon de faire. Et vous pouvez avoir aussi une autre façon de faire. Je vais revenir sur ma page. Vous pouvez tout simplement aussi, c'est une autre méthode, ça c'est suivant ce qui est le plus simple pour vous. Vous voyez ici sur ma page, donc Unique, ça c'est ma réunion, on est bien dessus hein, avec mon point de réception. Vous avez ici votre barre avec tous les chiffres et les lettres, donc c'est le lien, c'est l'adresse pour accéder à la page que vous avez là. Vous faites un clic gauche dessus, donc un clic normal. Il apparaît en bleu. Vous restez dessus.
Vous faites un clic droit. Vous faites copier, donc cliquez tout simplement. Vous partez sur votre profil. Alors, je vais devoir le rouvrir. Vous partez sur votre page Facebook. Donc là, vous êtes sur votre page Facebook. Vous allez ici dans les messages, donc privés. Vous ouvrez la page. Ça met un petit peu de temps. Hein. Vous allez par exemple, alors je vais refaire le test avec ma maman pour que ça parte pas n'importe où. Je me remets ici, écrivez un message. Je clique dessus. Il y a la petite barre qui clignote ici. Je fais un clic droit et je fais coller. Le lien qu'on a copié avant réapparaît là. Et je fais envoyer le message. Le lien réapparaît ici en message privé sur le profil auquel j'ai voulu l'envoyer. Et on va faire un essai. Si je clique dessus, je retombe bien évidemment sur ma réunion. Voilà. Et donc la personne va là où elle veut, peut même aller sur voir tous les articles. Et ici, en haut, il y a toutes les catégories. Les yeux, les lèvres, le visage, le soin des peaux et ainsi de suite. Voilà pour l'explication. J'espère que j'ai été assez claire pour vous les filles. C'était vraiment important pour moi de faire cette vidéo pour que ça soit au plus simple possible pour vous. J'espère que j'ai été assez claire. Vous avez les trois petites barres ici où vous pouvez retrouver le détail des produits. Voilà. Je vais vous refaire une petite vidéo pour vous montrer comment aller sélectionner le mascara Epic et l'avoir à 26 € sans les frais de port. Il y a une manipulation bien spécifique à faire pour pouvoir y accéder. Voilà, c'est tout simple, la vidéo sera forcément beaucoup plus courte. Voilà les filles, je pense que j'ai été le plus clair possible. Je pense qu'on a fait le tour. Voilà. Donc si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas sur le groupe, hein, comme d'habitude. Voilà, je vous souhaite une bonne après-midi les filles. Salut.